Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un nouvel easter egg. Donc cet easter egg consiste à faire apparaître un screamer, c'est le deuxième screamer de la map. Et pour faire apparaître ce screamer, je vais vous expliquer comment faire. Alors tout d'abord vous aurez besoin du coup de point taser qui se trouve devant la maison jaune dans le camion. Ensuite vous allez devoir cuter 30 têtes de mannequins avec ce coup de point taser. Alors je vous indique tous les emplacements des mannequins. Il y en a deux au centre opérationnel, il y en a deux à l'entrée du site, il y en a un à l'interrogatoire PA, il y en a un dans l'isolement, il y en a un au service de transfusion, il y en a un dans la rue principale, il y en a deux dans le centre de détention, il y en a cinq dans la maison jaune, il y en a un à l'impasse, il y en a quatre dans la maison verte, il y en a deux dans la cafétéria, il y en a deux dans le quartier, il y en a deux dans le salon, il y en a deux au générateur et il y en a deux dans l'entrepôt. Les emplacements des mannequins seront bien sûr en description. Quand vous aurez cuté les 30 mannequins, votre personnage dira une phrase. Et ensuite, vous entendrez un bruit sourd pour dire que vous avez bien cuté les 30 mannequins. Quand ceci est fait, rendez-vous au pack-a-punch. À ce moment-là, à droite du pack-a-punch, il y aura un mannequin avec la tête retournée. Approchez-vous de ce mannequin et sa tête se tournera vers vous. Le screamer apparaîtra et vous recevrez même une baffe. Donc faites attention parce que si vous n'avez plus de points de vie, c'est possible qu'elle vous couche. Donc voilà les potos, c'est tout pour ce petit easter egg, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.